discussion entreprise à Alger entre les frères responsables Boudiaf Mohamed, Krim Belkacem, Fider Mohamed, le colonel Mohamed Oulhadj, auquel est venu se joindre le frère Bita, en prix 20. Considérant la gravité de la situation et les incalculables conséquences pour le pays si la crise n'était jugulée à temps, considérant la nécessité de rétablir l'unité et la cohésion nationale, indispensable pour faire face aux lourdes tâches qui nous attendent, et notamment la mise en place des institutions étatiques, répondant ainsi au désir unanime des masses populaires algériennes, conscients de nos responsabilités, l'accord général suivant a été réalisé. Premièrement, sur le bureau politique. Deuxièmement, sur les élections à l'Assemblée nationale constituante qui auront lieu courant août et probablement le 27. Troisièmement, sur la réunion du CNRA en réunion ordinaire. Cette session aura lieu en principe une semaine après les élections à l'Assemblée. Elle aura pour objet de faire le point de la situation et d'examiner le problème du bureau politique. Ces entretiens décisifs se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité et de compréhension. Monsieur Boudiaf, maintenant, prend la parole. Personnellement, je garde entière ma conception sur le bureau politique. À cet effet, j'estime indispensable, suite aux élections à l'Assemblée nationale faite, de réunir le CNRA en session ordinaire qui aura à repenser cette question précise. Ceci étant acquis, je considère de mon devoir d'accepter de participer au dit bureau politique et de faire tout pour répondre à l'impatience et à l'attente générale. Ma position demeure en conséquence claire sur ce problème et elle m'a été dictée avant tout par le souci de ramener vite l'apaisement dans les esprits, de freiner les initiatives incontrôlées et lourdes de conséquences qui risquent, si elles se multipliaient, de nous préparer des lendemains pour le moins incertains. En cette heure grave, le devoir de tout militant et de tout responsable est d'œuvrer inlassablement dans le sens de l'unité et de la cohésion nationale. Le peuple algérien attend beaucoup de sa récente victoire. Puissions-nous la lui concrétiser en lui donnant les moyens de se prononcer librement et le plus tôt serait le mieux, de travailler, de s'instruire dans une Algérie enfin débarrassée du spectre de la dictature, quelle qu'en soit l'origine ou l'atteinte politique. J'ai confiance en l'avenir de mon pays, laquelle confiance repose avant tout sur le peuple et son avant-garde militante et révolutionnaire.